stuff. Hein? Mal du tout, tout. Je sais pas, le direct s'est coupé brusquement, donc j'ai pas compris. Je vais vous essayer. Donc, si vous voyez, je suis venu aujourd'hui avec cette histoire sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux. Dans tout ça. Je vous dis cash. Le quatrième enfant est en route. Voilà. Donc, comme c'est dans son habitude, comme c'est dans ses habitudes, elle enceinte la femme, il décale d'abord, il part ailleurs, après il revient. J'ai pris conscience. Merci, bébé. J'ai pris conscience de ma bêtise. J'ai pris conscience du fait que, à cause de la bite, à cause des papiers, j'ai sacrifié le bonheur de mes enfants. Oui. C'est où vous voulez dessiner que cela sur ma table, mon frère. Allez dessiner sur la route de chambre. Je vois ça. Je veux que je dessine avec toi maintenant là. Non, déjà. Maintenant. Maintenant. Hey, Apuchu. Tu vas me renverser le téléphone. J'ai pris conscience de ma bêtise. Parce que toutes ces années. Je ne peux pas vous dire que j'étais heureuse. Je n'étais pas heureuse. J'étais heureuse. Ouais, Chanel, oh. Toi-même, tu dis, oh. Va dessiner ailleurs, non, mamie. Oh, quoi, va dessiner ailleurs. J'étais heureuse. Quand je me faisais défoncer, on a fini de me nacler les fesses, on a fini de me binda. Chanel, si tu pousses encore mon téléphone, je vais déchirer ton truc là, tu vas aller chercher un autre truc pour dessiner. Oh, beau. Parce que je riais quand lui, il rit. Quand il ne rit pas, si moi, il rit. La suite, les 5 minutes qui suivent, je vais commencer à pleurer. Je vais commencer à pleurer. Oh, soit on va m'insulter, soit on va me taper. Quand je l'insulte en retour, on tape aussi. J'ai compris ma bêtise. Et à ce niveau, moi, je n'ai plus besoin de ça. Parce que le fait que ces filles ont été placées, je pense que c'était le Seigneur qui me parlait, qui me faisait comprendre que je suis en train de commettre une grosse erreur. Et j'ai reçu une deuxième chance. Tout a sorti de notre vie. C'est la meilleure des choses qui peut m'arriver, qui pouvait m'arriver. À cette fin d'année de 2023, tu n'as jamais fait le trousseau d'un enfant. Tu ne les as jamais offert les cadeaux d'anniversaire ou de Noël. Va mettre ta tête là-bas, dessine là-bas.
Tu ne connais pas ce qui veut dire les acheter les habits. Ce sont tes enfants qui te nourrissent. Parce que quand le social te vide tes 449 euros, 200 euros tu envoies au Cameroun pour tes filles. 110 euros, c'est pour payer tes amendes que tu peux... Actuellement, c'est descendu à 110 euros parce que tu as fini de payer l'autre. Mais tu étais à 160 euros. Ce sont tes amendes que tu payais. Que tu dois payer chaque mois. Actuellement, tu as fini de payer un, les autres qui restent. Il y a 50 euros, il y a 30 euros. Donc, il doit avoir 50, 30, 20, quelque chose comme ça. Le reste d'argent qui restait dans ton compte, quand tu prends 200, tu envoies au pays. Tu payes tes trucs. Tu ne restes même pas 200 euros pour vivre. C'est l'argent de ses enfants que tu vivais. Tu vivais de l'argent de ses enfants. Tu mangeais bien, tu buvais, tu fumais, tout à ta guise. Chanel, c'est quoi? C'est avec l'argent que le social donnait pour ses enfants. Je vais vous faire écouter. Chanel, c'est comment? Voilà ton papier, que voilà ton truc que tu dessinais avec, que tu as dessiné là-bas. Prends le drap là, tu mets sur le lit. Quand tu mets sur le lit, tu vas voir ton papier. J'ai fait ce pas pour que tu comprennes que je n'ai pas honte. On ne m'humilie pas, je m'humilie moi-même. Tu as dit que si je mets ma tête sur Facebook, vous allez me porter plainte. J'ai mis ma tête sur Facebook, j'ai prononcé non par non. Ne me menace pas, je n'ai pas peur de la prison, j'ai déjà fait la prison. Je t'ai porté plainte ici en Allemagne maintenant avec ces vidéos. Tu es garçon, viens. Quand tu viens là, entre dans un poste de police. Tu me donnes la suite. Je vous attends. Sois heureux. Sois heureux. Change. Car à 7 ans, tu n'as rien. Sans domicile fixe, tu bois, tu dors, tu pisses au lit. Tout ça, je vais mettre ça sur Facebook. J'ai ces vidéos que j'ai même envoyées à ton truc là. Avec à celle avec qui tu... C'était ta nouvelle victime là. Et tu le sais. À ta famille, tout le monde, j'ai partagé. Alphonse, comme ma bite. C'est ton but, c'est ton crayon que tu cherches maintenant. Comme ça, tu cries. Pour madame, j'ai hâte de jeter felon. Et ma disa qu'on va se dire de bon gouvernement. Depuis 2021, tu frappes ses enfants. Moi, depuis 2018. Je veux dire. Et disa qu'on voulait qu'on va se dire. Vas-y. Coupe-moi, on t'embête. On t'en embête. Tu achètes un lit. De deuxième heure à 250 euros sur Facebook. Venez nous filmer des skippy et moi un stif d'amitié manque. Ok, hast du noch irgendwas Stift? Du hast doch da mal Stift. Ja, aber die machen die kaputt, die machen alles kaputt. Gib ihr mal eine. So was kann man kaufen. Mama? Ja, aber dann bin ich ja selbst. Oui, attends, on va dessiner, bébé. Merci. Merci, on dessine ensemble. Ja. Même les jouets. Les habits des enfants. Tu préférais que c'est Caritas qui donne les habits aux enfants au lieu que toi tu achètes les habits à tes enfants. Tu as 80 000 euros. Tu peux t'acheter une paire de chaussures à 15 000 euros pendant que tes enfants sont habillés par les habits que les Turcs, les enfants des Turcs, des Arabes ont portés. Ils sont allés donner à une association. Ils prennent, ils viennent donner à tes enfants. Tu penses que tu nous servais à quoi?
même le papier, le séjour. Et ça? Que tu pouvais faire la demande de séjour pour tes enfants. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas fait. Elles sont là, sans papier. Quand on met ton adresse ici en janvier 2022, après plus d'un an qu'elles ont été sans assurance maladie, c'est là que tu peux aller mettre dans ton assurance maladie. Et maintenant, depuis le 1er novembre 2022, elles se retrouvent sans assurance maladie. Tu nous sers à quoi? Mais tout ce que tu savais faire, et tu sais que tu as fait pire que ça à ces enfants. Tu parles avec l'enfant. On a en été parce qu'il fait chaud. Tu laves un enfant de 2 ans, de 1 an avec l'eau glacée. Au lieu de... Envoyez, mettez au moins les gemmes. Même si vous ne mettez pas les cœurs parce qu'on signale. Et ça beurre, ça se coupe encore. Il est à 18h, ça se coupe encore. Là, moi, je ne relance plus. Je pense que je suis à près de 4 heures de temps. Ne touche pas Chanel. Tu racontes que moi je te pleure. Je vais pleurer quoi sur toi? Je vais pleurer le fait que tu n'es plus couché dans la maison avec moi du 1er au 31. Dieu, mets-toi comme ça, pardon. Mais non, dessine là-bas. Tu ne peux pas voir. Du 1er au 31, 24 heures sur 24, je vais pleurer qu'on ne bagarre plus, on ne se discute plus pour l'argent des enfants. Non. Je vais pleurer que tout ce que tu as pu faire pour ces enfants, c'est qu'elles se retrouvent dans un camp de sans-abri. Oh, en train de se partager une chambre avec les souris et les cafards. Tu penses que en me faisant du chantage, comme c'est Déo là, moi je suis la seule qui va avoir honte. C'est toi et moi qui avons honte. Mais moi je n'ai même pas honte. La seule honte que j'ai, c'est le fait d'avoir permis que tu maltraites ces enfants physiquement, psychologiquement et émotionnellement pendant des années. Parce que j'ai mis en priorité ta bite et les papiers. Moi, pour moi-même, je ne parle pas, je m'en fous. Oh, c'est joli, bébé, merci. Merci, bébé. C'est pour moi? Pose comme ça et puis tu dessines. Là, tu... Voilà. Chanel. Maman. J'ai fait le test de grossesse. Je vous ai envoyé ça. Mais l'autre là, ça sera le seul enfant qu'elle ne veut jamais publier sur Facebook. Parce que tu ne dois pas avoir la chance de voir. Je vais vous dire, mes soeurs et frères, ce monsieur il a 11 enfants avec 7 ou 8 femmes différentes. Parmi les 11 enfants, je suis la première qui le laisse reconnaître son enfant, qui met son nom dans l'acte de naissance de l'enfant en tant que père et qui donne son nom à son enfant. Oh. Et la deuxième femme qui le fait, c'est cette fille guinéenne-là. Toutes les autres, chacune a porté son enfant, fut avec. Il ne figure dans, donc à tous les autres enfants avant mes enfants, son nom ne figure nulle part. Oh, toutes ces femmes l'ont refusé la paternité. Parce qui tue les pieds de Prada? Parce qu'il est un monstre. Chacun porte son enfant sur la tête et commence à courir. Tu as eu ce que tu voulais. Tes pratiques sataniques sexuelles là, je les ai réalisés. Ta perversité narcissique, tu l'as pu la vivre.
sur moi et sur ses enfants. On a un été. Parce qu'il fait chaud. Tu laves un enfant de 2 ans, 1 an avec l'eau glacée. Même pas l'eau tiède. L'enfant pleure. Tu tapes. Yeah. Ici, les voisins témoignent. En France, il y a les témoignages des voisins. Tous ces documents, je dis, je vais faire, je ne sais pas si ça sera chaque jour ou bien si ça sera chaque 2 jours selon le temps que j'ai. Je vais vous faire un direct et je vais vous mettre les trucs au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'était là que je parle. Que je parle. Et je vais vous faire écouter un petit extrait. Du témoignage de sa première fille. Comme ça, vous pouvez vous poser la question. S'il peut rendre sa fille zinzin, dépressive, à travers le téléphone, vous pensez que nous, avec qui il était dans la maison, il faisait quoi de nous? Alphonse, comme tu fais de telles enseignes que tu peux travailler lundi, mardi, mercredi. Moi, il me déplace jeudi, vendredi, samedi. Give me a magic box. Tu prends le travail de jeudi, vendredi, samedi. Comme ça, on sait que je peux encore utiliser lundi, mardi, mercredi. Lundi, mardi et mercredi, je rentre. La semaine qui suit, on fait la même chose. Pour que je sais, si je n'ai pas fini, je m'en vais maintenant pour finir, pour finaliser. Comme ça, quand les trucs sont déposés, maintenant je peux venir m'asseoir. Elle m'a demandé pourquoi j'ai besoin que quelqu'un garde. Avant cette semaine, si tu commandes lundi, mardi, mercredi, oui. Tu vois, jeudi, la semaine prochaine, quand on travaille jeudi, vendredi, samedi. Samedi. Écoutons un peu quelques voix, ce que j'ai dit. Comme je disais, ce n'était qu'il n'était même pas. On n'avait même pas besoin de discuter dessus. Tu venais, tu me dis que moi, il travaille 3 jours la semaine. On m'a dit 3 jours de travail par semaine. Il te dit que bon, ok, si on t'a dit 3 jours de travail par semaine, tu fais de telle enseigne que tu peux travailler lundi, mardi, mercredi. Moi, il me dépasse jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La semaine qui suit, tu travailles. Tu prends le travail de jeudi, vendredi, samedi. Comme ça, je sais que je peux encore utiliser lundi, mardi, mercredi. Lundi, mardi et mercredi, je rentre. La semaine qui suit, on fait la même chose. Pour que je sais, si je n'ai pas fini, je m'en vais maintenant pour finir, pour finaliser. Comme ça, quand les trucs sont déposés, maintenant, je peux venir m'asseoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le petit peu. Elle m'a demandé Francis, ouais, pourquoi j'ai besoin que quelqu'un garde. Avant cette semaine, si tu commences lundi, mardi, mercredi, oui. Je vois jeudi, la semaine prochaine, quand on travaille jeudi, vendredi, samedi. Samedi, on n'a pas posé de ça. Mais est-ce que tu es sûr que tu seras de retour? Est-ce que tu es sûr que ça aura lieu? Pourquoi je suis comment? Pourquoi tu es comme ça? Écoute, non. Non.
Déjà, s'il faut que je te réponde, il va falloir que je rentre dans la jeunesse. Pour rentrer dans la jeunesse, n'est-ce pas? Ça veut dire que, selon tes propres dits, tu ne vas pas coucher avec elle. Maintenant, si toi... Nadège, je réponds à ta question. Comme je disais tantôt, le fait qu'on m'avait enlevé mes papiers, et lui ayant les papiers de l'asile politique, on le donne toujours 3 ans, il peut donner les papiers à ses enfants. Et si les enfants ont les papiers, ça me contamine à moi. C'est ce que j'attendais depuis. Il a toujours refusé de faire la demande jusqu'à aujourd'hui. Dis, je t'enlève ta main. Attends, je vais faire. Il t'a dit qu'il allait faire. Ne me mets pas la pression. C'est pas toi. Il m'a dit qu'il allait faire. Comment il allait faire? Il va d'abord changer, aller à Paris, changer mes papiers. Quand il va changer mes papiers, c'est là où je vais faire ça. Mais je regrette. Parce que pour ces papiers, une de mes filles pouvait perdre leur vie. Entre les mains de leur propre père. Selon la jeunesse, tu vas pas coucher avec elle. Comment vas-tu la convaincre en une semaine de faire ça? Pour la convaincre qu'il faut coucher avec elle. Mais arrête un peu. Pourquoi tu es en train de... Une femme qui a des problèmes avec son homme pendant un an et plus, dès qu'il y a eu réconciliation... Pourquoi tu es en train de parler? Je n'invente rien. Pourquoi tu es en train de penser aux choses et les mecs réalisent? Je ne pense, je n'invente rien. S'il te plaît, écoute. L'autre jour, je pense que c'était hier matin, quand je te suppliais. Pourquoi tu es comme ça? On va faire hier comment? Hier matin, moi je vais faire comment? Et toi-même tu m'as dit, c'est tes propres dits. Tu restes juste... Morvan, mais il a reconnu tous ses enfants. Être gay ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des enfants. Lève-toi Chanel. Il y a les couples gays qui ont des enfants. Être gay ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir les enfants. Tous ses enfants sont reconnus. Tous les trois, même celle qui est née en décembre l'an dernier en France, là, elles sont deux qui sont nées en France l'an dernier. Elles sont deux. Il a reconnu un enfant en France et les trois si. La seule autre, il n'a pas reconnu jusqu'à aujourd'hui. Parce que la mère Pemla avait son Mouna. Ok, il faut que je trouve une solution. Que je dis que non, pardon, je ne sais pas si on va appeler ma femme pour son travail. Est-ce que tu vois un peu jusqu'à quel niveau toi tu es parti? Tu vas raconter, je vais passer à la vitesse supérieure. Mais vas-y. Tu ne vas pas. Mais vas-y, pleurez quoi, vas-y. Pleurez quoi? Toi, ça pleure. Tu vas raconter ce que tu veux. Mon téléphone va monter sur le moment. Enregistre-toi. Tu ne vas pas te faire mal. J'ai dit qu'un seul petit truc comme ça, je ne passe pas à la vitesse supérieure. Je te prouve que depuis que je suis là, il est là. Une compréhension pour ça. They have they collect money in China and they make a joint account. So and Dika told me that it's not true that when they do the business. Joint account? Business. Yeah, there's no. They make joint account. How the husband and wife? They be husband and wife. The only thing I know about that business is that whenever we have business, I am the one that use my paper to send the share because we share everything together. Yes. Everything equal. And I will be the one. She will give me his her husband's share to send to him to Germany. Mm-hmm. I'm the one use Western Union sometimes area. R-A-R-I-A, this transfer of money. I am the one that always sends every time we have any business with him. Anyone he
participation. So you send his own share to Germany. You send Laura his own in Cameroon, right? No, unless if Laura want to send her own to Cameroon, she will send maybe the one she want to die somebody, but she will take her own there. In China, I will take my own, she will take her own, and she will give me her husband's passport to send to her, to send to him. And then after, I will send the MTN, the secret number. La photocopie de ces documents ne me sert à rien. C'est lui qui doit faire la demande. Les autorités connaissent, savent qu'il a les papiers, non? Mais c'est à lui de faire la demande. C'est pas ce que j'ai dit. Mes amis, je vais plus les compter. D'ailleurs, j'aime pas quand j'ai pas quelque chose dans la tête. On veut me mettre cette tu m'as enregistré hier. Voilà. Tu vas encore lui envoyer. Voilà. Je ne te veux plus dans ma tête. D'ailleurs, tu vas encore enregistrer hier. J'étais assez vite. Tu vas encore lui envoyer. D'ailleurs, c'est ça, non? D'ailleurs. Hmm? D'ailleurs. Si tu as un peu d'amour pour cet enfant, tu m'as enregistré hier. Le même amour que cet tu vas encore l'amour, lui envoyer, l'amour que cet enfant t'a donné, si ça a été repoussé, c'est pour tu m'as encore enregistré fois, hier. D'ailleurs. Parce que tu vas encore lui envoyer, n'est-ce pas? D'ailleurs. Donc, chaque fois, tu me dis non, pas, parce que tu sais que tu vas préparer tes balles. Dit, dès que je vais partir, tu vas envoyer l'audio comme elle a dit hier. L'audio comme elle a dit hier. Que voici ce que c'était devant moi. Yo. C'est ça, non? C'est pourquoi tu te fais enregistrer? Parce que tu es un maître menteur. Tu viens de mentir que tu as confisqué ma puce. Tu m'as donné cette. C'est pas le voici que je veux vous faire écouter. C'est pas ceci, c'est ceci. Allô? Voilà, écoutez, ça c'est juste une petite partie. C'est sa première fille qui est en train de parler. Écoutez un peu. Oui, bonsoir Mélissa. Hey, arrête ça vite. Je te couche, je suis à l'aise. Comment tu vas? Eh bien, toi? Ça va, merci. C'est la maman de ta petite soeur. Oui, mais j'ai remarqué la photo. J'ai vu juste la tête en absence. J'avais même pas remarqué. Oui, parce que l'autre jour, j'ai parlé avec ta grand-mère et je lui ai demandé si je pouvais parler avec toi. Parce que j'ai découvert des trucs de ton père qui m'ont mis très mal. Donc j'ai appelé ta grand-mère pour demander qu'elle me dise exactement ce qui se passe. Je voulais connaître la vérité de ce qui se passe. Et elle m'a expliqué. Et apporte ton biberon, Chanel. Alphonse, give me du flash from Chanel. Elle m'a expliqué ce qui s'est passé. Et je lui ai demandé si je pouvais, si tu pourrais accepter pour parler avec moi. Puisque c'est toi qui as traversé cela aussi avec lui. Suite au message que j'ai vu dans son téléphone. Pour que tu m'expliques. Et même si je ne suis pas ta mère, mais j'ai les enfants ici, que vous avez le même père. Moi, je suis mère de cet enfant. Il m'a dit, mais je croyais que tu devais appeler sur son téléphone. Donc, après, comme tu as bien appelé, je me suis dit que pour peut-être. Même elle, j'ai appelé sur son téléphone, ça ne passait pas. C'est là où je t'ai appelé. Oh. Tiens, regarde son téléphone. J'ai appelé sur son téléphone avec le numéro de ton père. Mais comme je sais que si tu vois son numéro, tu ne vas pas décrocher. C'est pour ça que toi, je t'ai appelé avec moi mon numéro. Okay. Donc, ce qui m'a alerté, ce sont les derniers messages où il te menaçait sur WhatsApp. Il te demandait de lui remettre le téléphone qu'il t'a offert et tout ça. C'est ça qui m'a alerté. Je l'ai questionné que moi. C'est ta fille ou bien c'est une fille avec qui tu as une affaire? Parce que je ne comprends pas. Comment tu peux te mettre en combat avec ta propre fille à ce point? Tu l'offres un truc, tu lui demandes qu'elle te remette, tu la menaces et tout ça là, ça n'a pas de sens. Et ça fait depuis, tu me dis que tu l'envoies à l'agence tous les mois
Pourquoi elle part à l'école? Et c'est ta grand-mère qui me fait comprendre que, mais non, ça fait 2 ans que tu es assise à la maison. Mon Dieu, il a dit ça, je ne veux pas te répondre. Donc, Mélissa, je veux que tu m'expliques exactement ce qui s'est passé. Pourquoi ton père est arrivé au point où il te menace de mort? Parce que lui, j'ai découvert beaucoup qu'il me manque. Après la conversation avec ta grand-mère. Je ne sais pas trop. Allô? Allô? Oui. Oui, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Le réseau, c'était parti. La menace, c'est bon, c'est revenu. Oui, je dis tantôt qu'il est quelqu'un de très manipulateur. Au début, parce que il m'a contacté en 2020. À ce moment, tu m'as contacté. Il m'avait écrit, il m'avait appelé et tout et tout et tout. Maintenant, alors, au début, c'est pour moi. C'est comme ça que j'ai donc merci et tout. Mais maintenant, alors, je me rends compte que après ça, quand il envoie comme ça, là, il a commencé à me faire, des attitudes bizarres. Oh, je dois l'appeler papa, je dois l'écrire tous les jours, je dois faire. Revoir quelqu'un, moi je te connais de nulle part, tu commences à me nier les exigences, oh, je dois. C'est comme ça qu'au début, moi j'ai dit que je ne suis pas d'accord. Je ne connaissais pas encore pour t'attendre, c'est là, je suis pas d'accord, je suis restée tranquille. Il a commencé à insister, vraiment, c'est parce qu'il faut qu'on soit, il faut que. J'ai dit, ok, on verra. Moi je n'aime pas d'avoir quelqu'un que je colle derrière les gens, moi ça ne me plaît pas. Si je veux faire quelque chose pour moi, c'est le job, j'ai venu vers moi, je dis que non. Mon père, tu veux m'aider. Si tu veux m'aider, c'est bien. Mais quand tu veux déjà m'aider et puis tu commences à poser, je ne vais pas dire condition, mais la façon dont il parlait, c'était comme si c'était une condition pour pouvoir faire certaines choses. Après, alors, quand nous sommes restés, je dis que non, moi je suis vraiment d'accord. Il commençait à être trop possessif. Genre, comme si je devais quelque chose, je devais rendre, parce que je ne sais pas trop. Parce que comme il va donner l'argent, il faut que je dois faire ci, je dois faire ça. J'étais un peu devenue bizarre. Après, maintenant, alors, comme on n'a pas pu l'année, on a arrêté l'année. Comme on a arrêté les cours à cause du confinement, c'est comme ça que j'ai donc arrêté les cours. Après, maintenant, il me demande que je veux donc faire quoi. C'est là maintenant qu'à la rentrée, là, je veux finir ma licence parce que j'allais faire un petit baisse, mais j'ai pas pu continuer la licence. C'est comme ça que j'arrête donc. Et puis, je vais pas faire mes cours. Donc, là, il y a l'autre qui va payer mes cours de licence. Ok. À la rentrée, là, alors, on m'a demandé de chercher l'école et tout, c'est pour ça que je trouve l'école et je trouve la chambre. Il a payé la chambre et puis il commence à payer, à payer la première tranche de l'école. Mais au fil de l'année, franchement, il me dérangeait tellement, il me dérangeait trop. Il était toujours en train de un petit truc, il m'a déjà bloqué. Il m'a déjà dit ceci, il m'a déjà mal parlé, il m'a déjà fait comme ça. Juste parce qu'à un moment donné, je lui ai demandé que Iki, est-ce que. Oui, mais je viens. Oui. Jusqu'à un moment donné, je lui ai demandé que. Est-ce que c'est comme si on a souvent un problème. Tout est juste le problème. Aujourd'hui, si je me demande, je reparais quoi, juste que je n'ai pas comparé, il commence à m'insulter, que je prends son argent pour pas jouer au sport avec. Commencer à pouvoir discuter avec lui. Et là, maintenant, je me suis même énervée. Je veux que si tu me donnes 30 000 au mois, tu crois que je vais pas, tu manges ça. Elle peut payer un plat au restaurant. Il faisait là comme s'il veut contrôler. Il m'a donné quelque chose. Tu as déjà acheté. Je veux voir le reçu. Je veux voir ceci. Je veux voir cela. En septembre, il me demande. Il me dit que comme c'était en septembre, il me dit que je dois faire la fête, que je dois organiser l'anniversaire. Jusque moi, ce n'est pas mon fort parce que
je n'aime pas d'avoir beaucoup d'amis. Et je vais venir inviter les gens que vraiment, c'est même pas comme si nous sommes trop proches. Donc, moi, je n'ai pas histoire d'anniversaire et tout. Il insiste que, oh, machin, un truc, je dois faire la fête. Oh, je dois faire ceci, je dois faire cela. Oh, parce qu'il voudrait que son nom soit devant. Imagine le gâteau, c'est son nom qui est écrit sur ça. C'est comme si, oh, j'ai fait ça pour ma fille. Oh, ma fille est comme ça. Donc, au final, c'est qu'il faisait juste des trucs pour se glorifier. Et il me dérangeait trop. C'est comme ça qu'on se disait chaque jour. Moi, je ne supportais pas son attitude. Il me bloque aujourd'hui, mais il me débloque. Après, il paye une partie de ma pension. Après, peut-être qu'il ne paye plus. Il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Comme ça que ça continue jusqu'à quand. Et je suis tombée malade à cause de lui. J'ai eu la justice en dépression. J'étais partie à l'hôpital, ma tension avait augmenté. Et ça, c'est à cause de lui, parce qu'il m'a trop dérangée. Donc c'est que tout, quand je finis mes études, je passe la licence, il va m'inscrire. Parce que moi, mon but, comment je voulais faire, c'était de faire une licence en France. Mais il m'a dit que non, machin, que je passe d'abord, que je passe pour faire tout le master et que je dois avoir une bonne moyenne. Au final, j'ai eu ma bonne moyenne. J'ai eu 14 de moyenne quand j'ai eu ma licence. Il me dit qu'il va m'inscrire dans une université en France. Il prend mon dossier, il va m'inscrire. J'avais tout envoyé, j'avais tout fait. Mais il ne va pas m'inscrire. Mais on a refusé ma candidature. Je sais plus tard que j'ai découvert qu'il me mentait. Il me manipule. Il me dit que c'est comme ça, attends comme ça. Je suis restée toute l'année jusqu'à janvier que je reste comme ça là. Parce que j'ai fait la licence de 2020 à 2021. Quand je finis dans l'année, c'est comme ça que toute la période de septembre là, jusqu'à décembre, il me tourne, il fait comme ça, il monte, descend. C'est comme ça qu'en janvier, nos problèmes commencent parce que en janvier, parce qu'il avait l'habitude de m'envoyer l'argent, et puis je t'ai envoyé à tel numéro. Maintenant, alors en janvier, il m'envoie l'argent, mais je t'ai envoyé à un numéro. J'ai dit ok. Quand je réussis l'argent jusqu'à ce que je fais le dépôt. Au début, je n'étais pas en ligne parce que nous, on a les problèmes de venir et tout, je n'étais pas connecté. C'est comme ça qu'il m'a appelé plusieurs fois, je n'étais pas connecté. Quand je reviens dans mon connecté, quand je charge mon téléphone, il m'avait laissé plein de messages. C'est là maintenant que je lui explique, ouais, mon téléphone n'était même pas connecté et tout, je commence à crier. Oh, je te donne l'argent pour que tu sois en ligne tous les jours. Oh, machin, tu es un enfant monté, tu es un enfant qui s'agit, tu es mal éduqué. Aussi, c'est là, tu es incapable de faire quelque chose quand tu m'as dit de faire. Je lui ai déjà expliqué, j'ai oublié, je n'étais pas connectée parce que mon bâtiment était faible, c'est comme ça. Et vraiment, commencé, les problèmes. Il m'a bloqué d'abord la première fois. Nous sommes restés comme ça plusieurs mois. Moi, j'ai vu, c'est fini comme ça, j'ai déjà décidé. Là, pour ma mère, je lui ai dit que c'est la toute dernière fois. Et quand elle fait ce chose-là, elle reste avec ça, qu'elle ne me dit plus. Il est bien que la mamie me dit que c'est ton père, c'est ton cela. Donc, comme ça, il casse les fini. Plus ou moins, on s'est bloqué. Il m'a bloqué, il ne reste pas tranquille. Il vit, m'a écrit avec notre numéro. Il commence à me harceler. Il me dit ceci, il me dit cela. Mon fils, il s'en fout. Oh, c'est là que je dois rembourser ce chose. Je dois faire cela. Et ça, c'est une doctrine. Et si lui, je n'avais pas demandé de me montrer, c'est lui qui est venu. C'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui est venu chez moi. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait qui me dit. C'est que je commence à me bloquer seulement parce que je n'étais pas connecté toujours. Et il a commencé à faire comme si j'étais, je ne sais pas, comme si j'étais un monstre. C'est tout ce qui s'est passé parce que je lui ai demandé. Il m'a envoyé un message plusieurs fois. Parce que ma mère m'a dit que je dois m'excuser. Il m'a envoyé plusieurs messages, plusieurs fois.
Si je pouvais, tout ça, vraiment, je m'excuse. Ce n'est pas comme si plusieurs fois, plusieurs fois, il a fait comme ça tout le jeu. Et puis, après ça, il ne répondait pas. Après ça, maintenant, il m'avait bloqué, je voulais être tranquille, il n'avait plus, écrit. Mais après, encore plusieurs mois, qu'il a encore revu. Et puis, là, c'est comme ça. Maintenant, il entend sur le mariage, comment je ne veux pas d'aller le voir, je vais essayer un peu aussi. Et je peux m'en faire, il y a un problème. Et quand il met mes propres c'est que je me rends compte de tout le monde. Et comme ça que je reste tranquille, je n'ai pas obligé. Même si mon père n'est pas obligé, comme je ne veux pas aller, elle ne peut pas venir parler. Et il essaie de manipuler, de faire comme ça. Et comme ça, oh, il doit toujours partir à droite, là, je dois partir voir ça, mais il disait toujours, ok, après, juste ma quand même ma grande, il part là-bas. Quand je parle là-bas, et quand je viens partir là-bas, quand ses soeurs sont revenues, les soeurs commencent à dire que je suis même sûre que je suis là ensemble parce que je suis trop petit détail. Dis les trucs, dis les choses, je suis partie, si c'est comme ça, si c'est oublié, je vais déjà l'envoyer, moi, je suis plus ça. Comme ça qu'il n'aime plus au point de vue. Il appelle Ange, il écrit Ange, même Ange, c'est comme ça qu'il manipule Ange. Et elle-même, elle va bientôt le bloquer. Bientôt, là, elle va le faire. Une fois qu'il a manipulé, il oblige qu'elle doit passer dans telle école. Comme elle part là-bas, maintenant, il faut envoyer l'argent pour qu'elle puisse prendre le taxi pour passer là-bas. Il est incapable d'envoyer. Il faut faire le chantage. Elle n'a pas le téléphone. C'est lui qui exige qu'on doit l'écrire tous les matins. Le saluer au bout du moment, la journée était tous les jours, on écrit tous les jours, comme si c'était, comme si je ne sais pas, ou c'était une obligation. Manipuler les gens, demande à Ange, oh, je fais déjà quoi dans la vie, j'ai déjà libéré, déjà quitté les gens, comme je l'ai quitté là où, mais je l'ai quitté comme si là où on disait pour lui, je dois persister à là où je ne parle pas comme ça, mais regarde, est-ce que c'est comme si je contrôle ma vie? Si déjà moi, je ne contrôle pas ma vie. Et peut-être que c'est parce qu'il pense que. C'est pas comme si je suis reconnaissante parce que la fille a quand même payé mon école, elle a quand même payé mon année de licence. Et ce n'est pas une raison pour faire comme si ma vie l'appartient. Ce n'est pas quand même normal. Parce qu'elle m'a dit de visiter à Oudé. Est-ce qu'on fait ça? Il vient de commencer à demander des choses sur moi, Ange. Oh, elle est déjà comme ça. Il ne se dérange pas, même quand je vais le bloquer, mais que l'année s'y finisse. Parce que je suis en train de voir ce pays, c'est la même chose qu'il faisait. Et moi, je supportais juste parce qu'il voulait son ami. Et même elle est là en train de faire la même chose. Donc, je n'aime pas. Comme il veut faire les trucs là, il veut faire les trucs là. Et c'est la même chose qu'il a fait avec lui. Depuis des années, il ne parle plus avec lui. Tout ça parce qu'il veut toujours manipuler les gens, manipuler les gens. I don't see. You want to go take later too? No, the point is I wait the service until from Spain and my sister and I don't reach. Ah. Then check now. I don't come out anything. No, nothing. No, that I don't come out. I don't come now. Then you never come now. No, I don't stay 1 week. We don't stay until from. Ah, now holiday time now. How many days the thing was off? Now holiday, it's done now. It's normal. Don't. Sure. Sage. Now the soap they here, should they remove them? No, because the course was not back off. Go and tell yourself. If they put them, she go remove them. Plant the shoes, tu viens. Plant the shoes, tu viens. Ça, c'est sa fille qui est en train de parler. Donc, quand vous écoutez sa fille qui dit. C'est le témoignage de sa fille, c'est au moins une heure quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour des voix. C'était juste un petit avant-goût. Sa fille qui déclare un très grand manipulateur, menteur. Si le monsieur-là se place devant toi, il te parle. Tu joues sur toi sans même savoir ce qui s'est passé. Quand il finit de masturber ton cerveau, tu joues sur toi. Donc, les gens qui viennent écrire là que tu connaissais tout ça, tu étais... Non. Ça m'a pris au moins 3 ans avant que je ne
commence à découvrir qui est cette personne. Moi, les maltraitances physiques, psychologiques et émotionnelles, je m'en passais. Mais quand en 2021, Dion avait qu'un an, mai, juin, un an, un mois, qui commence à lever sa main sur elle. Tu veux parler, on te tape. Écoutez bien dans la vidéo, il me tape. Il dit, tu te prends pour qui que j'éduque mes enfants, tu viens, tu te poses à ça. Tu questionnes mon éducation. Son éducation, c'est la violence. J'ai pas besoin d'inventer les trucs sur sa personne. Parce que grâce à vous, vous allez même faire, les cadavres vont se réveiller. Parce que si la fille, Sarah vient parler. Celles de la Chine se lèvent pour parler. Celles qui parlaient hier dans le direct de Coco Kouetou se lèvent pour parler. Elles sont comme ça en soc-soc. Seulement que moi, j'ai dit que c'est bon. Parce que tous ces... Vous, et surtout même les gens qui disent que pourquoi, pourquoi. Ce sont les gens, c'est nous-mêmes qui sommes à l'auteur de nos propres problèmes. Parce que tu vas même appeler... Une soeur, une soi-disant amie, on va te dire c'est les problèmes de couple. Calme-toi, quand il va se calmer, il faut lui parler avec douceur. Vous pensez qu'il comprend? Tu parles avec douceur, quand tu commences à parler avec douceur, il comprend qu'il veut que tu le binda. Et tu veux qu'il te binda, pardon. Ça, c'est un dictateur. Vous n'allez pas trouver une femme qui a vécu avec lui, qui se sépara avec lui, qui va faire ça. Jamais. Jamais. Et je dis moi, ce qui me concerne moi, je m'en fous. Mais ces enfants-là, c'est l'éducation qu'on donne à un enfant. C'est pas l'éducation qu'on donne à un enfant. Et je m'en veux énormément. Je m'en veux énormément d'avoir accepté et laissé cela passer pendant un an et demi. Les séries commencent avec en juin l'an dernier, 2021. Commence sur Dior. Quand Chanel a eu ses 8 mois, elle aussi, on la met dans la sauce. On commande. Ah, bûche, 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 bûche. Aujourd'hui, madame, ma fille a perdu une dent. L'autre, le pied est tordu. Son propre pas tordu, son pied. J'ai ça sur écrit. Le rapport. Elles sont traumatisées psychologiquement et émotionnellement. Si elles me lèvent là pour sortir, elles vont courir pour me suivre. Si elles me lèvent, je sors, elles me voient sortir, je ferme la porte. C'est les cris total. La panique. La question est de savoir, quand je n'étais pas là, qu'est-ce qu'ils faisaient à ces enfants? Parce que je sors de la maison à 7 heures, je reviens à 12 heures, les enfants sont toujours couchés. Lui-même, il est toujours couché, il dort. Elles n'ont pas mangé. Il ne s'est pas levé pour leur donner le déjeuner. Elles vont se réveiller. Il va se lever. Il va taper, crier, couchez-vous, dormez. Vous êtes couché. Il y a quelle heure? Un enfant doit dormir plus de 12 heures de temps. Punir un enfant de 2 ans, de 14 heures à 18 heures. Que mets-toi à genoux, tu tends les mains. Cette vidéo-là, je ne vous ai même pas posté ça. Juste qu'il tape. 14 à 18 heures, il met l'enfant à genoux. Hein? Le voisin qui essayait d'interpeller la femme, de parler dans cette affaire, on a failli le taper. Maintenant, aujourd'hui, j'ai parlé. Là, il est à 19 heures. J'ai même bien les mots de tête. Aujourd'hui, j'ai parlé. Aujourd'hui, c'est moi qui ai parlé. À partir de demain ou après-demain, ce sont les enregistrements qui vont parler. Vous allez l'écouter dans son délire à lui. Vous allez nous écouter, mais vous allez plus l'écouter. Ce monsieur a un problème psychologique. Il ne prend pas la drogue. Déjà, ça, je peux vous dire, il ne consomme pas de la drogue. Tout ce qu'il fait, c'est le whisky. Il s'assoit là en une soirée, il boit ses deux bouteilles de whisky.
mais il ne prend pas la drogue. Qu'il boit, qu'il ne boit pas, il est comme ça. C'est sa nature, c'est lui. Qu'il a bu, qu'il n'a pas bu. C'est même encore mieux quand il boit, parce que quand il boit, il devient comme ça, là, comme la feuille de patate. Surtout quand le niveau est déjà élevé, parce qu'il n'a pas bu, là. Comme vous le voyez dans les vidéos, là, il n'a pas bu, hein. Il n'est pas sous. Il n'est pas sous emprise d'alcool. Il est conscient à 100% de ce qu'il est en train de faire. Maman. Oui. Maman. Oui. Chanel est où? Elle est là. Elle est là? Là où? Oh, là. On va chercher Chanel. Il n'a pas bu, il n'est pas sous. Il n'est pas sous stupéfiant. C'est sa nature, c'est lui. Je vais vous mettre le voix, est-ce que vous écoutez comme il dit, il parle à un enfant de 2 ans, que ferme ta gueule. Un enfant de 2 ans, tu dis à un enfant de 2 ans, que ferme ta gueule. Parce que l'enfant pleure, il ne supporte pas les cris. Mais c'est lui qui fait les enfants. Ceux qui disent là que je dois avorter, je ne vais pas avorter, je ne l'ai jamais fait. Ça ne peut même pas me dépasser. Ça ne peut pas me dépasser. Juste que, il fallait que je me lève, je me décide, je secoue mon corps, je me débarrasse de cette peste. C'est tout. C'est pour ça que je suis venue sur les réseaux sociaux. Reste à distance. Reste loin. Parce que comme j'ai commencé à t'afficher là, je vais terminer. Ne te retourne pas pour regarder en arrière. Non. À chaque fois que tu vas te retourner, rappelle-toi que tu es fiché sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait. Les plaintes déposées. Il y a l'autre qui disait là qu'il ne voulait plus de moi. Voici le truc où c'est moi qui le mets dehors. C'est moi qui le chasse. C'est Claude Akam. C'est moi qui le chasse. Ce n'est pas le contraire. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, n'est-ce pas? Plus. Tu viens de là pour confisquer. Je viens. Tu vas me proposer, c'est ça, moi. Tu sais quoi? D'ailleurs, c'est ça, moi. D'ailleurs, j'aime pas quand j'ai pas quelque chose dans la tête. On veut me mettre cette tu m'as enregistré hier. Toi là, tu vas encore lui envoyer. Toi là, je ne te veux plus dans ma tête. D'ailleurs. Tu m'as encore enregistré hier. J'étais assez vite. Tu vas encore lui envoyer. D'ailleurs. C'est ça, non? D'ailleurs. Hmm? D'ailleurs. Si tu as un peu d'amour pour cet enfant. Tu m'as enregistré hier. Le même amour que cet enfant. C'est moi qui le fous à la porte. Et non le contraire. À chaque fois, je dis dehors. Il sort, il va revenir, il va commencer à pleurer. Et là, dans le voile, si vous allez l'entendre pleurer. Si je joue ça jusqu'à la fin, cet enregistrement, vous allez l'entendre pleurer. Pleurer comme un enfant pleure. Je sais que j'ai fauté. Je sais que j'ai été une mère indigne. Je n'ai pas protégé mes enfants. Je ne les ai pas protégés. Je les ai exposés. J'ai laissé que leur père, leur ôte la vie, on peut dire ainsi. Parce que il était toujours là, je suis sûr qu'un jour, j'allais porter le cadavre d'une de mes filles comme ça. Pour dire adieu. Ça, je reconnais mon erreur à ce niveau-là. Et c'est pour cela que j'ai dit, la honte ne peut pas exister. La seule honte que moi, Lydia, je dois avoir, c'est d'avoir exposé mes enfants à un tel truc. C'est n'avoir pas appuyé sur stop depuis. J'avais honte. Mais là où je devais avoir honte, ce n'est pas là où j'avais honte. J'ai eu honte quelque part d'autre.
On te quand on va dire que hey, elle avait trois enfants, ils ne sont plus ensemble. Oulululu. On te quitte utilisé et puis oulululu. On te qui va, il va créer un faux profil, venir mettre sur Facebook que hey, on a enlevé les papiers. Oulululu. Regardez où est allé cet enfant, oulululu, comme il racontait. La fille a dit hier dans le direct de Coco. Quand il veut coucher avec une autre fille, il prend ma vie, pas il raconte. Voilà ce qui me faisait peur. Voilà de quoi j'avais honte. Mais je n'avais pas honte que mes enfants sont maltraités, torturés, physiquement, psychologiquement, émotionnellement devant moi. Il finit de taper l'enfant. Il vient se coucher dans le lit, il monte sur moi, il fait tchouk 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 tchouk, il met l'autre dedans. Je devais avoir honte pour ça. D'avoir accepté, d'avoir permis que cela ait lieu. Pas une fois, pas deux fois, mais après plusieurs reprises. Voilà la seule chose. Donc j'ai honte. Tout le reste là. Les commentaires que vous allez faire. Que vous allez dire, je ne peux pas avoir honte de ça. Maintenant, moi-même, j'ai mis dehors. Et je vais mettre le reste dehors. On a dit que je ferme ma bouche, j'ai fermé, non. Reviens, tente-moi encore. Tente-moi encore. La vidéo où tu pisses au lit, où je te doite la nuit, tu écartes tes pieds, tu attrapes tes pieds comme ça en l'air, comme une femme là. Je te doite la nuit. Et te tchouk ça avec la bouteille de Despé. Je vais mettre ça dehors. On a dit, Lydia, ne fais pas ça. Laisse, calme-toi. Parle par rapport aux violences. Laisse le côté là. Je dis, j'entends encore seulement comme pim. Je te dis ça depuis combien de jours? Tu étais sûr que non, t'es le mère à honte, elle ne va pas aller sur Facebook. Mais je te montre là que je n'ai pas cette honte là. Continue ta vie. Laisse-moi continuer la mienne avec mes enfants. Ne me salis pas. Parce que j'ai les témoignages des gens. Tout Castro témoigne. J'étais nourri, habillé. De la tête jusqu'aux pieds, jusqu'aux caleçons que tu as fait, je rentre à Tekama, je t'achète les caleçons. Je rentre à Birmingham, c'est Birmingham, je t'achète les démembrés, les débardeurs, les chaussures, le parfum, les téléphones. Le jour de mon anniversaire, je te donne 100 euros, tu pars, tu ajoutes 40 euros, tu m'achètes un parfum, tu viens m'offrir, tu es bête. Die Mama trägt mal den Kühlschrank an. Wer? Ja. Was hat sie gemacht? Die malt den Kühlschrank an. Ist doch nicht schlimm, das kann man abwischen. Ich möchte nicht, dass sie weint. Doch, du warst da, bitte, Tickler. Wie? Tu comprends? Mais je, devant les gens, je te vénérerai toujours. Je viens sur Facebook. Madame Siakam, le meilleur mari. Le meilleur, c'est si. Je ne suis jamais venu. Malgré tout ça, je ne suis pas venu m'asseoir en public pour t'exposer. Je venais toujours là. Hey, t'es vraiment marié. On a vu une angle mbite. La tête est comme ça là. Tous les nerfs sont tendus. Je dis, oh, madame, je suis terriblement marié. Comme tu m'as poussé à ce que je vienne avec ça ici, je l'ai fait. Et si tu veux, c'est que sur les voies, et se veut les mettre. Chanel, arrête. Si je te porte, tu restes assise. Si tu descends, tu ne pleures pas. Tu as compris? Dis oui, maman. Lève le doigt dans la bouche. Dis oui, maman. Dis oui, maman. Oui, maman. Voilà. C'est qu'elle sur les voix. La semaine. On va finir. Je vais finir 2023 avec toi. Je vais mettre. Je vais m'asseoir. Il n'y a plus supplé. On écoute ensemble.
si tu veux que ta vidéo où tu pisses au lit là, où tu te fais doigter l'anus, baiser l'anus avec la bouteille, je mets aussi ça sur Facebook. Ose encore. Ose encore. J'ai fini avec toi. Et le tout, c'est en vrai. Prends-moi au sérieux. En vrai. Bon. Je donne Chanel à qui? S'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose vite fait, qui veut me reprocher de quoi que ce soit, qui veut me réprimander, qui veut dire quelque chose, qui veut me reprocher un truc directeur, vite fait, peut pas envoyer la demande. Au cas contraire, il est 19h08. Donc, il faut que j'aille les faire manger la nourriture du soir. Elle mange 20h tout le monde au lit parce que moi, je dois voler tout le matin. Je ne dois pas m'amuser. Laisse. Je ne sais pas pourquoi, depuis là, les gens envoient des invitations, j'accepte, on me dit, c'est pas possible. Allô? Allô? Bonjour, bonsoir, bonsoir, Lydie. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Parle un peu fort parce qu'on t'entend un peu très bas. D'accord. Alors, moi, je n'ai pas de reproche à te faire, honnêtement. Je vais t'avouer quelque chose. Je suis des personnes qui ne t'apprécient pas forcément en tant que blogueuse. Mais je dis, dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Nous sommes des femmes. Je suis une mère. Ce qui t'arrive... Ton micro est un peu bas, ma mère. Ah, d'accord. Pardon, chérie. En tant que mère et femme, que je ne t'apprécie pas en tant que blogueuse, c'est une chose. Mais quand j'écoute ce que tu as vécu, mon cœur de mère et de femme te soutient, mais à 100%. Tu sais, c'est facile de dire, oui, elle est coupable. Je ne peux pas te jeter la pierre parce que moi-même, je ne sais pas si... Je sais ce que je ne veux pas, mais on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est que sois courageuse. Maintenant, tu sais, prends soin de tes bébés parce que c'est eux ton avenir. Les hommes, ça vient, ça s'en va. Mais tes enfants seront toujours là. Pour le pied de ta mignonne petite fille, nous sommes en Europe. Ça se repart. Elle va être belle jeune femme. Quant à ton autre enfant pour la dent, ça va coûter. Mais la seule chose que tu dois retenir dans tout ça, c'est que l'amour pour un homme ne vaut pas pour l'amour de nos enfants. Je ne peux pas te jeter la pierre que tu ne connais pas dans les circonstances dans lesquelles, parce que tu dis très bien à un moment, tu étais au son. Cette personne a su te manipuler. Donc, tout ce que je voulais te dire, c'est que, comme on dit chez moi, c'est Yako. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants, et puis prends un peu de distance avec les réseaux sociaux pour vraiment essayer de te reconstruire et puis reconstruire tes enfants. C'est tout ce que je pouvais te dire. Que je t'apprécie en tant que blogueuse ou pas, là n'est pas le problème. Là, on ne parle pas de blogueuse, là, on parle de mère et de femme. Donc, vraiment, sois courageux, tu as tout mon soutien, et puis vraiment, que Dieu te bénisse, que Dieu prenne soin de toi, que le Seigneur vraiment apaise ta peine et t'aide vraiment à avancer dans la bonne direction cette fois. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Merci beaucoup, ma chérie. De rien, de rien, de rien. Prends soin de toi et de tes enfants, c'est le plus important. Le reste, c'est pas grave. Mais... Ah oui, je le ferai. Voilà. Le plus important pour distance. Moi, c'était que je me libère un peu de ça parce que toujours en train de parler part, dans les inbox, on te dit laisse, demain quand il revient, tu reprends. Mm. On va dire que mais pourquoi tu l'as encore repris? Non. Parce que je n'ai rien fait pour ne pas le reprendre. Oui. Là, comme ça, comme je suis sorti, je suis allé en public, là, c'est mort. Même lui-même, il aura honte de revenir. Mais toi, si tu fais ça, là, je vais prendre le voir avec moi. Si tu as essayé, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, si tu as essayé de reprendre, moi-même, je prends mon train jusqu'en Allemagne, là-bas, pour aller te frapper. Eh oui. Peut-être que ma petite soeur.
Je prends le train, il vient te frapper, puis il prend les enfants là pour venir. Et puis emmène-moi où tu veux. On va te frapper, on va te chicoter, Lydie. Mais je pense que tu as pris la bonne décision. Tu as pris la bonne décision et je pense que tu as réalisé beaucoup de choses et c'est ça le plus important. Et c'est ce que. Et par contre, je voulais demander à nos soeurs directs, qu'on a blogueuse ou pas, là n'est pas le souci. Moi, personnellement, Lydie, c'est quelqu'un que je n'apprécie pas en tant que blogueuse. Je te le dis honnêtement. Mais je suis une maman et je suis une femme. Je ne peux pas dire c'est bien fait. Parce que je sais pas, moi aussi j'ai des filles. J'ai une fille, j'ai des nièces. Demain, ça peut arriver à une. Et je ne peux pas te souhaiter ça. Sous prétexte que je n'apprécie pas ton blog. Ça n'a rien à voir avec le blog. Là, c'est une mère qui est en train de nous demander pardon. Et le pardon, s'il te plaît, Lydie, c'est pas à nous. Nous, on n'est que là, on n'est que des gens derrière nos écrans. Certains qui vont avoir de la compassion, d'autres qui vont prendre ça pour se moquer. Mais le vrai pardon, c'est à tes enfants. C'est à tes enfants. À tes enfants. C'est eux à qui tu dois demander pardon et à qui tu vas devoir prouver tous les jours que tu vas être une meilleure maman pour eux. C'est tout ce que je pouvais te dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Au revoir. Au revoir. Lydie. Oui, ma. Bonsoir. Parlez un peu fort parce qu'on vous entend à peine. Hein. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Ouais. Asiya, maman. Asiya, beaucoup de courage à toi. Vraiment. Merci beaucoup, ma chérie. Le plus dur, j'ai déjà traversé. La douleur est déjà passée. C'est juste que bon. Il se disait que je ne peux pas venir en public pour exposer cela parce que j'aurais honte et tout et tout. Donc, il pouvait continuer à me tenir au chantage, à me manipuler et tout. Là, je lui ai un peu prouvé le contraire et j'espère que je me suis débarrassé de lui éternellement maintenant. Ma soeur, ce que je peux te conseiller, cherche la voix de Dieu. Cherche à entrer dans les prières. C'est mon téléphone qui est bas ou bien c'est chez vous? Je dis, cherche à faire des prières, s'il te plaît, maman, parce que tout ce que nous vivons dans la vie, cela n'est pas simple. S'il te plaît, ma soeur, prie beaucoup, beaucoup. Le diable te combat tellement. Jusqu'à... Tu es née brillante. Tu es une brillante femme. Mais cherche à beaucoup prier, surtout pour tes enfants. C'est ce que je tenais à te dire. Et s'il te plaît, essaye de prendre le mal en patience et quitte dans les réseaux sociaux. S'il te plaît, ma soeur. Même pour un moment, fais profil bas, quitte, sors dedans, s'il te plaît, ma. Les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu as vécu avant. Tous ceux qui viennent là pour se moquer de toi, sache que le karma existe. Si tu te moques d'une femme aujourd'hui, demain, une autre va se moquer de toi. Donc, s'il te plaît, cherche à faire profil bas et quitte dans les réseaux, ma. Prends soin de tes enfants, s'il te plaît. Et surtout, prie beaucoup. C'est ce que je tenais à te dire. Bonne soirée. Allô? Ok, ma mère, merci beaucoup. J'ai pris une autre. Déjà, si vous avez bien remarqué, je n'étais plus trop sur les réseaux sociaux. Donc, je ne le serai oui, plus quand je suis sur les réseaux sociaux. Donc, Oui, allô? Allô? Oui. Oui, allô? Bonsoir, madame. Oui, j'ai écouté votre direct depuis tout à l'heure. Moi, ce que je pense, c'est que vous êtes une mère indigne et que vous vous aimez, vous, pas vos enfants. Vraiment, je suis désolée parce que jusqu'à présent, vous pleurez plutôt pour l'amour de ce monsieur. Parce que même en plein direct, vous ne vous occupez pas assez de vos enfants. Je pense que ce serait mieux que vous vous occupez un cœur plus de vos enfants. Ça va vous faire du bien parce que vous êtes une maman qui aime les enfants. Et si on les met au monde, c'est pour s'occuper d'eux. C'est tout ce que je voulais vous dire.